c'est quoi ça? Il y a Spider-Man qui prend dans les bras Bulma. Oh, comment oses-tu? Tu vas me le payer! Wow, 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 doucement les amis, doucement! Wow, ça part les amis! Les Avengers vs Dragon Ball! Arrêtez s'il vous plaît! Ok les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai amené les Avengers dans l'univers de Dragon Ball les amis. C'est incroyable, les Avengers vont rencontrer les personnages de Dragon Ball. J'ai amené Doctor Strange, montre-nous tes pouvoirs Doctor Strange. Le fameux Doctor Strange est parmi nous, il y a aussi Black Panther. Wakanda forever. Wakanda forever. Il y a bien sûr Spider-Man. Le beau gosse. Captain America. Le leader. Oh, aïe, 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 oh. Mais me frappe pas Captain America. Qu'est-ce qui t'arrive? Mystique bien sûr qui peut se transformer en tout et n'importe quoi. Quel sacré pouvoir quand même. Il y a notre ami Groot, notre ami préféré, mon petit Groot. Je s'appelle Groot. Et juste à côté, She-Hulk, la copine de Hulk. Regardez-moi ses biceps, les amis. Bon, les Avengers, est-ce que vous êtes prêts pour rencontrer les personnages Dragon Ball? C'est quoi ça là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça là-bas, là? J'ai vu quelque chose à droite, là. J'ai vu un poulet. Eh, hey, poulet, sors, on t'a vu, poulet. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Rapproche-toi, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Viens, viens ici, viens ici. Non mais c'est incroyable les amis. Poulet Panique fait encore son retour les amis, c'est incroyable. Poulet Panique, combien de likes on demande aux abonnés pour cette vidéo? Ok ok, bon je ne comprends pas la langue des poulets les amis, mais je pense qu'ils demandent 100 000 likes. Est-ce que les amis vous allez réussir à faire 100 000 likes? Nous allons savoir bientôt, merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Bon sinon, où sont les personnages de Dragon Ball les amis? Je les attends là. Ok, ils sont juste là. Incroyable. Salut Coco, je vois que t'as ramené du monde. Ah oui, bon voilà, j'avais pas vraiment prévenu que j'allais ramener autant de monde. Mais oui, j'ai ramené les Avengers dans votre monde, dans votre univers. Eh ben c'est bien tout ça. Oh, tiens, c'est qui? Ah bah c'est Poulet Panique, c'est le petit poulet. S'il n'était pas censé être là, mais bon, il s'est incrusté dans la map, on sait pas comment. Bah Poulet Panique, bienvenue à toi, bah tu m'as l'air drôle. Mais attends, mais Bulma, à ta gauche, il y a tous les Avengers de Fortnite, et toi tu t'intéresses juste à ce petit poulet? Je sais pas, il est marrant, mais oui, bah présente-moi tes amis du coup, Avengers. Bon, en même temps les amis, Bulma ne peut pas être impressionné par des super-héros, parce qu'il vit quand même dans l'univers Dragon Ball, avec des super-guerriers de l'espace les gars. Là c'est pas le même level, hein. D'ailleurs les Avengers, restez tranquillou, hein. Je sais que vous êtes forts et tout, mais là en face de vous, il y a les personnages de Dragon Ball, hein. C'est pas la même force, ok? Donc calmez-vous, d'accord? Oh, comment oses-tu? Oula, calme-toi, Vegeta, comment ça, comment j'ose? Bah oui, j'ose, bah c'est mes potes, voilà, je les ramène ici. Je sais que c'est ton monde de Dragon Ball, mais bon, j'ai le droit de ramener mes potes Avengers dans ton univers. Goku, j'ai le droit de faire ça, on est d'accord? Bah voilà, même Goku le dit. Eh, Goku, s'il te plaît, si Vegeta veut me frapper, tu me protèges, ok? Merci beaucoup, hein. Bon Vegeta, puisque je sais que tu aimes la baston, t'es un fighter, voilà, t'es le prince des super guerriers, on va faire quelque chose. Nous allons tester la puissance d'Avengers contre la puissance des personnages de Dragon Ball, les amis. Et juste à notre droite, il y a une arène. Donc on va tous se diriger à l'arène et nous allons organiser des 1v1. Direction l'arène, les amis. Incroyable, cette arène est tellement magnifique. Ils sont en place, ils sont chauds bouillants. Là par contre les gars, c'est vraiment incroyable, hein. Là les gars, carrément, si vous vous battez, vous savez que là vous explosez la map de Fortnite, hein. Il faut pas que vous vous battez, on va faire des combats 1v1, ok? Tranquille, on va commencer tranquillement. Mais Poulet Panique, mais pourquoi t'es dans le camp des personnages de Dragon Ball? Bah ça va être mon poulet de compagnie du coup. Par contre Vegeta, je crois qu'il est un peu énervé contre lui là, hein. Non. Bon, pour ce premier combat, qui est-ce que je vais choisir? Mais Poulet Panique, tu fais le malin, vas-y, mets-toi au milieu ici, mets-toi au milieu. On va prendre Spider-Man. Mets-toi au milieu Spider-Man. Ok, tous les autres, on va dans les tribunes, c'est parti, let's go. Direction dans les tribunes, les amis. Wouhou! Ok, le premier combat va commencer. Poulet Panique qui a rejoint le camp de Dragon Ball vs Spider-Man. Quand je dirai go, vous commencez le combat. Et c'est parti, let's go, battez-vous! Ok, le combat commence. Oula, ça se tire de loin, Ok, intéressant. Spider-Man est déter, hein. Poulet Panique est descendu de l'arène. Je vous rappelle, les amis, que si vous sortez de l'arène, vous avez perdu directement. Donc concentrez-vous. Ok, ça s'esquive. Oh, c'est chaud, qui va gagner? Ok, Poulet Panique s'avance. Le combat est rude, les amis. C'est un combat ultime entre un Poulet Panique et c'est Spider-Man qui a gagné. Bien joué à toi, Spider-Man. GG. Pour le prochain combat, nous allons passer aux choses sérieuses, les amis. Goku, est-ce que t'es prêt? Ok, mon petit Goku est prêt. Tu peux te mettre en place, Goku, dans l'arène. Et contre Goku, nous allons choisir
Doctor Strange. Pour le prochain combat, ça va être Goku, le super guerrier de l'espace, vs Doctor Strange, le docteur étrange. Bon, c'est un peu moins stylé, mais bon, il est quand même puissant, faut pas le sous-estimer, les amis, hein. Et vous pouvez commencer, c'est parti, let's go! Ok, Goku active le virage magique, il active son Kamehameha directement! Incroyable, incroyable! Doctor Strange lance une boule étrange! Ok, le combat est rude, le combat est incroyable, les amis! Goku vole dans les airs, il réactive le Kamehameha! Et il touche un petit peu Doctor Strange. Doctor Strange réactive sa boule surpuissante. Wow, wow, wow. Hey, sa boule, elle est incroyable, les amis. Hein. Le combat continue. Oula, Goku a esquivé la boule magique. Doctor Strange réactive une petite boule. Ok, Goku l'a esquivé. Incroyable, il s'est téléporté dans les airs. Hey, Goku, carrément, il vole dans les airs, carrément. C'est un combat très, très serré, les amis, entre deux univers. L'univers Marvel vs l'univers Dragon Ball, les amis. Le combat est très, très intéressant. C'est un combat intéressant. Et Goku a exterminé Doctor Strange. Bien joué, Goku. Bravo à toi. C'est impossible de battre un personnage Dragon Ball, les amis. Ils sont beaucoup trop puissants. D'ailleurs, les amis, dans les commentaires, vous êtes plus Team Avengers ou Team Dragon Ball? Dites-moi ça en commentaire, les amis. Je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi votre univers préféré. Pour ce prochain combat, nous allons choisir 3 personnages Dragon Ball vs 3 personnages de Marvel. Je veux Vegeta, Beerus et Goku dans l'arène, s'il vous plaît. Et je veux Captain America, Spider-Man et Black Panther dans l'arène. Placez-vous, les gars. Ok, le duel va commencer entre les personnages de Dragon Ball à ma gauche et les personnages de Marvel à ma droite. Ça risque d'être vraiment très intéressant, les amis. Beerus, Vegeta et Goku versus Spider-Man, Captain America et Black Panther. Ça risque de péter. Ça va péter. Ah bah, y'a Bulma qui est juste ici. Bah Bulma, tu veux te fight aussi? Ouais, pourquoi pas, mais je vais regarder encore un petit peu. Non mais c'est dangereux, Bulma, non, je te conseille vraiment, Bulma, parce que là, ça va vraiment péter. Ah bon, bah si ça va péter, alors je retourne là-bas dans les gradins. Ouais, ah ouais, là, ça va exploser carrément, là, je te conseille d'aller là-bas, un conseil. Ok, ok. Et moi, les amis, je vais faire l'arbitre, donc je vais rester dans l'arène, s'il vous plaît, ne me visez pas, d'accord? Je ne fais pas partie de cette histoire, moi, je suis l'arbitre, ok? Ok, à mon décompte, vous allez commencer le combat. 3, 2, 1, c'est parti, battez-vous. Wow, wow, ça va super vite, ça va super vite, les amis. Vegeta lance un Kamehameha, c'est parti, les amis. Ok, ok, c'est incroyable, Black Panther qui saute partout. Ok, le combat commence. Il y a Beerus qui s'est fait avoir par Captain America. Incroyable, les amis. Black Panther qui saute partout. Ok, il y a Goku qui lance des Kamehameha avec Vegeta. Ils sont dans les airs. Ils ont préféré la technique dans les airs que le corps à corps. C'est assez incroyable, les amis, ce combat. Il reste Black Panther. Black Panther s'est fait éliminer. Il reste plus que Captain America, les amis. Et il y a aussi Spider-Man. Excusez-moi, Spider-Man est encore en vie. Oh, ils se font avoir, ils se font avoir. Hein. Les personnages Dragon Ball, les amis, sont dans les airs. Ils font que rester dans les airs. C'est impossible de les avoir. Il y a Spider-Man qui est en PLS, qui galère, qui court partout. Captain America est aussi encore de la partie. Et Vegeta et Goku sont encore dans les airs, les amis. Regardez-moi ça. Ils bombardent les Kamehameha. Ok, les amis, il reste plus que Spider-Man. Et Spider-Man aussi s'est fait avoir. Incroyable. Vegeta, bravo. Goku, bravo à toi aussi. Vous les avez juste exterminés carrément. Moi, les amis, je l'ai toujours dit, hein, je suis Team Dragon Ball. Marvel, pour moi, pourra jamais dépasser Dragon Ball. En tout cas, bravo à vous, les gars. Vraiment, bravo, félicitations. Vous avez fait un combat incroyable. C'est quoi, ça? Il y a Spider-Man qui prend dans les bras Bulma. C'est comme si Bulma récompensait les Avengers. Vegeta, calme-toi, Vegeta, calme-toi. Oh, comment oses-tu? Vegeta, calme-toi, je t'ai dit. Tu vas me le payer. Vegeta vient d'exterminer Spider-Man. Mais c'est quoi ce truc de ouf? Calme-toi, Vegeta, calme-toi. Elle avait juste pris dans les bras. Y a rien de spécial. Wow, wow, wow. Doucement, les amis, doucement. Ok, Vegeta s'est énervé. Il a mis un Kamehameha dans la tête de Spider-Man. Mais c'est pas pour ça que vous allez vous fight. Je vous le rappelle, si vous vous battez tous en même temps, ça risque d'exploser la map. Ok, donc les amis, calmez-vous. Baissez vos armes. Tranquille, tranquille. Oh là là là, carrément, Vegeta et Goku sont mis en Super Saiyan Blue. Calmos, les amis, calmos. Poulet panique, je te conseille de repartir chez toi. Parce que là, ça va péter, mec. Ok? Tranquille, ne faites pas ça, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Oh, ça part, les amis. Ça part en couronnes. Les Avengers vs Dragon Ball. Oh, le truc de ouf, carrément. Oh, le truc de ouf, ça part de partout, les amis. Calmez-vous, calmez-vous, vous allez exploser la map de Fortnite. Calmez-vous, vous allez tout détruire. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh, les ouf, les ouf, les ouf. Mais comment je peux les arrêter? Comment je peux faire pour les arrêter? Ça explose dans les airs, carrément. Mais qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est la guerre. Voilà, wow, c'est explosé, c'est explosé. Moi, je m'en vais, les amis, je m'en vais d'ici. Faut que je me réfugie, faut que je me réfugie. Wow, ça explose de partout. Ça explose. Oh, je me mets ici. Oh, c'est bon, je suis en PLS, les gars. Je me mets dans un coin, je bouge plus, moi, je reste caché. Ok, je vais devoir activer aussi mes pouvoirs. Le pouvoir de convaincre. Arrêtez cette guerre. Wow, wow, wow. Mais qu'est-ce que vous faites?
De base, je suis votre pote, moi, de base. Pourquoi vous me visez tous? Bulma, qu'est-ce que tu me fais, là? Tout est de ta faute, Banane, c'est à cause de toi que tout a commencé. Mais comment ça, c'est ma faute? Moi, de base, je vous ai réunis ici dans cet univers pour que vous fassiez alliance, pour que vous soyez potes. Mais je pensais jamais que ça allait finir comme ça. Carrément, tout le monde me vise. Mais j'ai rien fait, moi, de base, s'il vous plaît, calmez-vous. Goku, est-ce que tu veux me protéger, Goku? Les amis, il y a Goku qui veut me protéger. Ok, merci beaucoup Goku. Les amis, si vous avez les couronnes d'affronter tous Goku, je pense que ça va pas le faire. Hein. Là les amis, il y a Goku qui me protège. Personne peut me toucher les gars. Hein. Goku il est imbattable. Hein. Donc maintenant vous allez vous calmer, vous allez tous baisser vos armes s'il vous plaît. Merci, merci. La paix avant la guerre, on se calme. Goku, merci beaucoup. Je t'en dois une, ok? Merci. Bon, je vous propose, les amis, après cette guerre, de se calmer un petit peu, tranquillement. On va tous manger chez Goku. C'est bon, tu nous invites, Goku? Goku nous offre son hospitalité. Let's go chez Goku, les amis. Let's go, let's go. La trappe va arriver. C'est bon, la trappe est arrivée. Montez, montez, les gars. Montez tous. C'est parti, les amis. Direction chez Goku. Ok, nous sommes dans l'hyperespace. Soyez un peu patients, les amis. Nous arrivons bientôt dans la maison de Sangoku, les gars. Bienvenue, les amis, dans la maison de Sangoku. Merci, Sangoku, vraiment de nous accueillir. Merci beaucoup. À votre gauche, les amis, il y a un petit buffet que Goku a préparé. Donc, je vous propose d'y aller. Venez tous, les amis. Regardez-moi tout ce que Goku a préparé pour nous, les amis. Placez-vous, mettez-vous accroupis tranquillement et grignotez tranquillement. Allez, bon appétit à tous. Mettez-vous à l'aise. Ah là, carrément, c'est en mode soirée pizza. Mais voilà, je vous préfère comme ça, carrément. Vegetta et Captain America qui sont en mode soirée pizza. Je vous préfère comme ça, les amis. C'est mieux, c'est mieux. Oh là là, toujours à se fight. C'est bon, quoi. Voilà, She-Hulk. Mange ta petite tarte tranquillement, She-Hulk. Voilà, bon appétit. Spider-Man aussi, bon appétit à toi. Mange ta petite tarte. Regardez, il y a du miel, il y a de la confiture, il y a du pain. Faites-vous plaisir, les gars. Grignotez tranquillement. D'accord, à mon Dr. Strange qui est en train de mettre des photos sur Instagram, les amis. Il est refait carrément d'être dans l'univers Dragon Ball. Ça lui rajoute un univers à son palmarès. Ah, il y a Black Panther qui est tranquillou, qui boit une petite tasse de café, posé. Oh, mon petit poulet panique qui boit une petite tasse de thé, en méditation. Eh, mais poulet panique, comment ça se fait que tu voles? Attendez, mais poulet panique a des pouvoirs? Ok, toi tu es très mystérieux, poulet panique. Ah, mais il y a Bulma qui est en train de griller des petits chamallows. Ça va, Bulma, tout se passe bien pour toi? Ça va, merci. Coco, il faut que je te dise un truc. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Voilà, je préfère ça, je préfère ça. L'amitié avant tout, parce que là, sincèrement, j'avoue que tu m'avais braqué avec une arme et tout. Je t'avoue que là, je me suis dit, je la reconnais pas, Bulma, là. Vraiment. Oui, je suis désolée, excuse-moi. Bon, en même temps, qu'est-ce qui t'a pris de prendre dans les bras Spider-Man? T'es fan de Spider-Man ou quoi? Bah, en fait, j'adore tous ces films, je les ai tous regardés, alors je suis méga fan. Ah, d'accord, en fait, t'es juste une fan, ouais, de l'univers Marvel. D'accord, ok, je comprends mieux. Bah oui, y a rien de plus. Et Vegeta, la prochaine fois, faut pas s'énerver comme ça, Vegeta, ok? Oh! Non! Ah là, Vegeta et son caractère, ah là là. Bulma, vraiment, faut que tu l'apaises, hein, ton petit Vegeta là. Il est un peu trop nerveux, hein. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, il est irritable. Mais il est tout le temps irrité, je sais pas ce qu'il a, je crois qu'il a un complexe d'infériorité parce que Goku le bat tout le temps, hein. Mais ça doit être ça, ça doit être ça. Bon, moi je vais aller pêcher. Venez, les amis, petite session pêche. Allez, les amis, tout le monde, celui qui chope le plus gros poisson a gagné, les gars. Ok, qui va pêcher le meilleur poisson? Ok, bon, prenez tous vos poissons, les amis, on va faire une petite réserve de la nourriture de Goku. Parce que là, les amis, tout le monde a mangé la nourriture de Goku, mais bon, au bout d'un moment, on va pas tout lui manger, hein. Ok, mettez tous les poissons devant la porte, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, Chichi, elle sera contente, les amis. Parce que Chichi, les gars, si elle revient dans sa maison et elle voit qu'il y a plus de nourriture, elle va juste détruire son Goku, hein. Chichi, pour ceux qui savent pas, c'est la femme de Goku, les amis. En tout cas, Goku, vraiment, merci pour ton hospitalité, merci de nous avoir accueillis. C'est vraiment très gentil de ta part, Goku. Bon, les Avengers, nous allons rentrer à la maison, nous allons rentrer dans le QG d'Avengers. Je vous propose tous de reprendre le vaisseau. C'est parti, allez tout le monde dans le vaisseau. Mais Poulet Panique, tu veux rester dans l'univers Dragon Ball, Poulet Panique? Bon, bah Bulma, tu prends soin de Poulet Panique, d'accord? Vas-y, pourquoi pas. Il va rester avec vous dans l'univers Dragon Ball. Tu prends soin de lui, hein, c'est vraiment un ami très proche de moi. Hein. D'accord, y a pas de souci. Il sera en sécurité avec moi. Bon courage à toi, Poulet Panique. Tu vas te plaire ici, t'inquiète pas. Tu vas me manquer, Poulet Panique, tu vas me manquer. Allez, Spider-Man, le vaisseau nous attend, vite. On doit repartir dans notre univers, Spider-Man. Au revoir, les personnages Dragon Ball, au revoir. Oh là là, il va vraiment me manquer, Poulet Panique. Bon, Captain America, active le vaisseau, direction le QG d'Avengers. Merci, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. C'était super cool, c'était Coco. Et je vous dis, oh, très bientôt.